Bonjour tout le monde. Bonjour. Dimanche 26 mai, c'est notre 39e jour de marche. Voilà. Et bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête. De son embouchure à Saint-Nazaire jusqu'à sa source au mont Gerbier de Jonc en Ardèche, Michel et moi remontons à pied le dernier fleuve sauvage d'Europe, la Loire. Des vignobles enivrants du Val-de-Loire jusqu'au plateau du Velay, en passant par les splendides jardins et châteaux de la Loire, les bocages de la Bourgogne et du Bourbonnais, les pentes escarpées des monts du Forêt, pendant plusieurs semaines, suivez-nous tous les jours dans cette nouvelle et magnifique aventure. Alors hier, hein, étape très difficile, peut-être l'étape la plus dure. Hein. Ah, je pense qu'on n'a pas, oui. pas eu plus dur. Peut-être aujourd'hui, puisque hier on a fait 14 km et aujourd'hui c'est 17 de prévu. Au départ. Ouais. Et voilà, ça commence. Là ça commence par descendre, mais quand ça descend, là, ça tourne à droite, là. Après ça remonte. Ce soir nous dormons au lac d'Issarlès, dans un tipi. Au début, on voulait faire du camping, au terrain de camping du lac d'Issarlès. Mais apparemment, il va y avoir des orages, il va y avoir de la pluie. Donc, on préfère assurer dans un tipi. Puis un tipi, c'est pas typique. Petite pause, on va regarder quand même si on est bien. Bah oui, on est bien là. Donc là, c'est à gauche là. Ouh, à gauche, puis alors, attends. Et alors, si on veut, on peut aller à droite. Et mais alors, ça coupe, regarde, tu vois. Ça coupe. Ouais. Voilà, on va tout droit, il y a de la route, et puis ça coûte moins. Hein. Soit on prend la route, ça monte moins. C'est plus long. C'est plus long. Soit on coupe, c'est plus court. Bien sûr, si on coupe. Mais ça monte. Mais ça monte d'un seul coup. Dans tous les cas, ça monte.
Ça monte. Je monte pas mieux sur une route que sur un chemin. Bon allez, on fait demi-tour. On choisit l'option de couper. Alors je sais pas si on aura raison, mais on le saura jamais. Ah bah disons le GR3, la Loire à pied. Alors là le GR3 il est bien entretenu, hein, faut pas dire le contraire. Ah, il y a un petit gîte et tout, regardez comme c'est mignon. Et là. C'était court, hein. Mais c'était bon, hein, Michel. Oh. Je leur demande pas pour ça. Ah, non. Pas tout de suite, en tout cas. On a fait un tiers, un peu plus. Là on est bien, hein, la randonnée comme ça c'est bien. Hein, oui, pour même. Le moment ça va. Ouais, ça va. Il commence à pleuvoir. Oh bah. Il n'y a rien dans ce village. Quand je dis il n'y a rien pour manger, je parle d'épicerie, je parle d'un petit commerce. Mais il est 13h, il faut quand même qu'on pense à manger. Alors il nous reste un morceau de saucisson et du pain. Voilà. Hey, on n'est pas bien installé là. Les gens sont sympas. Ah, ils sont vraiment gentils, les gens. Et puis, ben voilà. Repas du midi. Voilà. Saucisson et puis le Saint-Nectaire aussi, hein, à Michel. Hein, le Saint-Nectaire. C'est la faute d'Eric. Ouais. Allez, tiens, t'as le droit à une saucisse. Oh, Monseigneur est très bon. Santé! Ce sont des petits gestes de rien du tout, mais le fait de pouvoir se mettre à l'abri et puis qu'on nous apporte une petite chaise là pour pouvoir manger, bah, ça fait plaisir. Ouais. Maintenant, il nous reste 8 km à faire quand même. Ça fait moins plaisir. Ouais.
collègues. Ouais, c'est un peu galère, bonjour. Bonjour. Vous allez jusqu'où là? On va jusqu'au puits. Ah d'accord, ok. Non, non, pas ce soir, non. Combien de temps? On va au lac du Sarlès. Ah oui. Aujourd'hui? Ouais, ouais. Bon, on vient, nous. Tiens, ça fait un... vous êtes parti depuis un bout de temps. Bah, le 18 avril. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Ah. Alors, tu me dis combien, Michel? 13 300. 13 300. Oui. Non, 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 mais attends. Ah oui, attends. J'enlève le marqueur. 2. 4,2. Il nous reste 4,2 km. Voilà. Hier, je vous ai posé une question concernant cet engin que vous voyez là. J'ai lu vos commentaires. Et ça servait, ou ça sert encore, pour ferrer les animaux. 4,2 km. Il est 15h30, 16h30, 17h, faut qu'on soit arrivé. Hein. Ah ouais. En espérant qu'on ne se fasse pas mouiller. On est obligé d'enfiler les câbles de pluie. Cette rivière d'environ 30 mètres de large, c'est un fleuve, c'est la Loire. Alors ce qui est incroyable, c'est que sous le pont de Saint-Nazaire, elle fait 2,3 km de large. Et 4 km en amont, elle fait un peu plus de 3 km de large. Et maintenant, on a ce fleuve là qui fait 30 mètres. Ah, il fallait avant d'arriver qu'on ait une belle montée. Hein. Sinon, ça n'aurait pas été. Est-ce qu'on va arriver avant l'orage? Est-ce qu'on va réussir à pas se faire mouiller? Vous entendez, ça gronde. Hein, ouais. On a fait 20 km. D'accord. Oh, on arrive juste. Eh ben, c'est bien, tip top.
C'est pas mal, hein? Un petit tipi comme ça. Puis à l'intérieur, il y a deux lits. Michel a déjà fait le mien. Ouais. Ça. Et puis il y a celui-là à faire. À quelle altitude sommes-nous, Michel? Alors, Laurent, nous sommes à 1052 mètres. Combien de mètres avons-nous parcouru aujourd'hui? De mètres. Ou de kilomètres, allez. Kilomètres, c'est plus facile. 19 kilomètres. 19 kilomètres. Et tu veux savoir quoi? Et une moyenne de 3,7 km heure. Ah, quand même, hein? Bon, je vais arrêter cette vidéo ici parce que on n'en peut plus quand même. Hein. J'espère que vous nous comprenez. Hein. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Hein.